S'ils n'avaient pas présenté un candidat, la suite aurait été difficile pour eux. Et s'ils avaient appelé à voter pour un candidat sans passé islamiste, les frères musulmans auraient été tenus pour responsables de la fin du projet islamiste en Égypte. Si le candidat des frères musulmans Kairat al-Shater gagne à ces élections présidentielles, cela signifie que les frères musulmans auront pris le dessus sur le système politique égyptien. Ils seront le nouveau parti national démocrate.